新たな感染者数の減少に伴って今月8日には町の封鎖が解除される予定です。その武漢に今年1月23日の封鎖前に入り、2ヶ月以上現地に留まって取材を続けてきたフランス2の記者が、普通の生活を取り戻しつつある現地の様子をリポートしています。À Wuhan, en Chine, où la pandémie a commencé, le confinement se desserre peu à peu. La population est enfin autorisée à sortir de chez elle. Nos journalistes qui ont vécu ces 70 jours à Wuhan ont filmé le retour à la vie de cette grande ville de 11 millions d'habitants. Arnaud Miguet, Gaël Caron. La ville se réveille tout doucement de son long sommeil. Après plus de 2 mois de confinement, Wuhan recommence à vivre. On circule à nouveau dans la ville, transport public et taxis reprennent du service, comme Yan Yun, 32 ans. On voit que les choses reviennent à la normale. Des gens ont déjà recommencé à travailler. Petit à petit, à Wuhan, l'activité reprend. Ce n'est pas encore la foule des grands jours, mais certaines rues commencent à s'animer. Les contrôles de température sont partout. La peur du virus est toujours là. Le pire semble passer, mais les visages restent masqués. Je suis tout excité. C'est la première fois que je ressors depuis 2 mois. Je voulais être dans la rue, voir du monde, pouvoir enfin bouger. Je pensais que j'allais devenir fou. À l'entrée des rares centres commerciaux autorisés à ouvrir, distance réglementaire. Les clients entrent au compte-gouttes. À l'intérieur, rien n'est laissé au hasard. Les vendeuses doivent tout nettoyer. En permanence. On désinfecte tout, même les cintres, parce que tout le monde les touche. Et puis il faut rassurer les gens. Même les comptoirs, je dois les désinfecter, comme celui-là. Il y a ceux qui vont faire des courses et ceux qui se précipitent chez les coiffeurs, et ils sont bien protégés. Les salons sont toujours fermés, alors les coupes se font dans la rue. 3 euros au lieu de 8 ici. Pas de couleur ou de mise en place. C'est vraiment la première chose que je voulais faire en sortant. À Wuhan, on est encore loin, très loin d'un retour à la normale. Toutes les activités de la ville n'ont pas repris. Dans ce restaurant, par exemple, nous avons rendez-vous à l'heure du déjeuner avec Bao Derong. Il a remis sa toque, mais il n'a pas encore le droit de servir sur place. Avant l'épidémie et la fermeture de la ville, le 23 janvier dernier, il faisait 500 couverts par jour. Aujourd'hui, il attend avec impatience la reprise de l'activité. On n'est pas autorisé à ouvrir le restaurant. Alors on se contente de faire de la vente à emporter. C'est ce qu'on fait depuis 15 jours. Certains quartiers restent barricadés. La quarantaine n'a pas encore été levée. Une sortie autorisée tous les 3 jours. Après 70 jours de confinement, la ville reste toujours sous cloche. Ce n'est que le 8 avril que Wuhan devrait être totalement libéré et ouverte au reste de la Chine.